just got three things to say. God bless our troops, God bless America, and gentlemen, start your engine! Replay! Buggity, buggity, buggity! Let's go racing, boys! Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing. Au programme, cette semaine, nous allons revenir sur l'épreuve de Martinsville. Et pour m'accompagner, vous les avez déjà reconnus, ils sont là. Il a perdu son drapeau dimanche, un drapeau allemand sur Paris-Roubaix. C'était le seul, l'unique, à la sortie du secteur numéro 3 de Gruson. Mais il est quand même là, il est revenu, il l'a retrouvé. C'est Lilian. Ça va, Lilian ? Ça va, j'ai retrouvé mon drapeau. T'as retrouvé ton drapeau, t'as retrouvé les... Mais les c'était joies. Une bannière étoilée, c'était pas un drapeau allemand. Ah, quel dommage. Quel dommage. Les joies et le bonheur de la petite reine à Gruson. C'est ça. C'est toujours un plaisir. C'est ça, un plaisir. Il aurait dû être avec nous, mais il se remet difficilement de son record du monde du semi-marathon chez les vétérans, c'est Arnaud. On va quand même le saluer, Arnaud. Si jamais t'arrives, t'es le bienvenu. Et il rigole, il a sorti le maillot de circonstance pour fêter le doublé alpine au Grand Prix de Suzuka. Je crois que c'est 1 et 2 en partant de la fin, ou presque. Mais c'est pas grave, il m'avait demandé de fermer ma gueule aussi pendant toute la course dimanche soir. Vous l'avez reconnu, c'est Adrien. Salut Adrien. Salut. Rien d'autre à dire, ok. Bonjour à tous. Il va s'abstenir. Il va s'abstenir de tout commentaire. Ah, tu m'avais demandé de pas venir, au final, je suis... Au final, t'es là et nous t'en remercions. Nous t'en remercions grandement. Et on va saluer Lugubre et Gilda, qui sont... et Lugduke, pardon. Qui sont déjà sur le chat YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre puisqu'on va vous demander d'interagir durant l'émission, mon cher Adrien. Le sommaire, je te le laisse pour une fois. Ouais, le sommaire, si tu veux. Donc on commencera par le triplé Hendrick, 1, 2, 3, débrief de la course de Martinsville. Ensuite, le traditionnel, j'aime pas, hein. Où on vous sollicitera, comme d'habitude. Un premier bilan dans cette saison régulière à quasiment un tiers. Pour voir un petit peu ce qui se passe, les forces en présence, etc. La fameuse note, où également n'hésitez pas à réfléchir à quelle note vous donneriez à cette sublime course de Martinsville. Et on en profitera aussi pour vous demander un espèce de top et de flop, une espèce de bonde brute et de truand, mais à notre sauce, où il faudra que vous nous donniez en gros un favori, une déception, et le troisième, je l'ai oublié, mais ça va pas tarder, il va revenir. Où est-ce que j'avais écrit ça quand j'avais soumis l'idée? Voilà, la surprise, le favori et la déception. Ah oui, c'est comme ça, ok. Ouais, La note sur 10 ou sur 20, on est parti sur 10 depuis le début de l'année, mais... On va rester sur 10. On peut 10. Faire sur 20, on peut faire sur 100. Enfin, ça fait non, la même note sur 10, sur 20 et sur 100. Hein. Oui, ça revient au même. Hein. On rajoute un 0 ou on enlève un 0. Ça. Ouais, mais y a, c'est moins tranché quand c'est sur 5 ou quand c'est sur 100. Tu vois, entre 54 et 55, la différence, elle est pas. Ouais. Quand c'est 4 ou quand c'est 5, tout de suite, ça, c'est pas. Ça fait 10% pareil, sur 10. Ouais, effectivement. Mais... Bon, allez, c'est parti. Si le programme il est prêt. Il est là. Il est remis de ses courbatures. Il vient de rentrer de Montpellier en courant. Il arrive. Il branche juste la cam. Ne vous inquiétez pas. Il a envoyé une Alpine dans le tas pour arriver à l'heure. Salut Arnaud. Allez, on commence avec le générique. On se retrouve pour le premier sujet, la victoire de la Hendrick. Messieurs, avec qui je vais commencer? Peut-être Arnaud, 1, 2, 3, pour la Hendrick, pour les 40 ans. Comme c'est bizarre, c'est beau quand même, hein. C'est beau le sport auto quand ça se passe comme ça. Et je ne crois pas une seconde au complot, moi, tu sais bien. Tu ne crois pas au complot? Mais non, bien sûr. Non, mais moi, par contre, ce que je crois, c'est que tu n'as pas le micro assez fort. Ah ça, par contre,
Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Comme ça, c'est mieux ? Ah, là, c'est mieux. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Ça va. Non, mais moi, je ne crois pas une seconde au complot. Après, ils ont dominé. Enfin, je veux dire, les 1, 2, 3, ils ont dominé le premier, le deuxième et le troisième segment. Après, les autres ont fait n'importe quoi. On va parler de la qualité de la course, mais... Voilà, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire comme c'est faire la NASCAR. Voilà, c'est... Tout s'aligne au bon moment. Et comme c'est faire la Hendrick aussi. Ouais, mais bon, voilà. Enfin, c'est pas la meilleure équipe pour rien. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Même s'il n'y a pas les titres là ces dernières années, ça reste la meilleure équipe du plateau. Hein. Oui. Y a pas, ouais. Ça fait que 2 ans qu'ils n'ont pas gagné. Hein. Voilà ça, dans les 2 dernières années. Ouais. Donc, mais bon... De toute façon, Lilian, on l'avait annoncé, hein, la Hendrick sur les grosses courses cette saison, ça va gagner. Ils ont déjà fait Daytona 500, ils ont fait Martinsville, il reste Coca 600, Brickyard, Suzanne 500. On est sur une bonne dynamique. Oui, et puis au-delà de ça, Martinsville, ça reste la piste maison. Hein. C'est... Oui. Voilà, depuis le début de la saison, on dit que la Gibbs est imbattable avec sa nouvelle Camry sur short track. Mais Martinsville, c'est à part. Et clairement, on l'a vu, on a eu une pole Hendrick et un triplé. Et le quatrième est pas loin derrière. Et puis tout était aligné. Enfin, je pense qu'il aurait pu arriver n'importe quoi. C'est tout. C'était pour la Hendrick celle-là. Après, si vous pariez sur les courses, faut écouter Overtime, hein, parce que ça fait quand même deux week-ends de suite, deux vendredis. Où Lilian il annonce quand même sur quelle équipe faut miser, hein, donc et c'est du sans faute là. C'est vrai. En même temps, la prise de risque est minime. Hein. De la Gibbs à Richmond et de la Hendrick à Martinsville, ça... c'est pas très couillu, mais. Ouais, mais ça paye, hein. Ça paye. Ouais, ça paye. Ouais. Effectivement, ça paye. Donc voilà, triplé de la Hendrick, premier triplé de l'histoire à Martinsville. Et Adrien, ben, ça tombe sur la Hendrick. On avait eu des doublés. Alors, la Hendrick avait déjà fait des triplés. Mais là, c'est à Martinsville sur un short track. Ça aurait pu être un quadruplé à un moment pendant la course. On l'a discuté. On s'est dit peut-être, mais ça va se voir. Et finalement, le triplé devant les employés qui étaient dans le virage 2. 1500. Ouais. Bon, après, je pense que l'histoire est belle quoi, pour l'anniversaire, avec des livrées un peu spéciales. Bon, si tu veux vendre des diecasts en pagaille, je pense que t'as ce qu'il faut, par exemple, pour faire un peu de merch, etc. Donc, c'est historique dans plein de sens du terme. Mais tant mieux, quoi. Comme le souligne Lugubre, pardon, est-ce que les 40 ans de la Hendrick, c'est plus historique que la 6000e course de la Penske, tout sport auto confondu ? Ça dépend, c'est ça, ta question. Ouais, mais Lugubre, il n'est pas objectif. Ça dépend à qui tu poses la question, en fait. Si tu poses la question à un bon franchouillard qui regarde des courses de Formule 1 ou des courses d'endurance, la Hendrick, je sais pas si ça va faire tilt. Penske, peut-être un peu plus. Si tu poses la question à un Américain, je suis pas Américain, donc je sais pas ce qu'il va te répondre, mais déjà, il y a un peu plus de doute, quoi. Ouais, puis la performance de la Hendrick, c'est très NASCAR. En plus, c'est même pas américain, c'est NASCAR, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les gens qui suivent la NASCAR. Alors que l'autre, même si tu es américain, tu peux suivre plusieurs disciplines, mais ça parle vraiment qu'aux fans de NASCAR. C'est vrai. Donc Après, si tu regardes l'arrivée, pour moi, au niveau de la Hendrick, on a aussi le classement des pilotes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, en termes de performance, tu as Bowman qui est derrière, vraiment derrière, et tu as Byron qui est sur un nuage, là, qui survole la saison et qui gagne partout où il peut gagner. Et après, derrière, t'as Larson Elliott. Ouais, mais elle était jolie, la 48, comme ça. Hein. Ah oui, non, mais si c'est les plus belles voitures qui gagnent à chaque fois, on le saurait. Parce qu'il y a quand même des boches compliquées. Hein. des voitures bien dégueulasses pour gagner des courses. Mais c'est vrai que ouais, pour le design, la 48 aurait mérité de gagner. Mais bon, je pense que la 24 va se vendre pas mal quand même. Oui. Bon, on m'a toujours dit que c'était la peinture qui allait vite, mais on m'aurait menti, du coup. Et pour répondre à Gilda, oui, ils vont sortir un pack avec les 4 voitures chez Hendrick. Soit un 64 ou un 24. Oh bah oui, Lionel Racing va pas louper ça. Hein. Et, j'aurais tort de s'en priver. Hein. Et à mon avis, préparer la carte bancaire avec le pack de 4 dédicacé. Ah oui aussi, ouais. À mon avis. Je dis ça, je dis rien.
puis avoir une belle race win là, en 24. Donc ça peut être pas mal aussi. Oui, oui, elle était sympa aussi. C'est par rapport à la 5 et la 9 qui étaient moches, comme le disait si bien Adrien. Je suis pas super fan de la couleur, là, leur red ruby là. Mais et pourquoi ce code couleur? Exactement. Bonne question. Pourquoi ce rouge? Il sort d'où? On a cherché, on n'a pas trouvé. On pensait que c'était rapport à la voiture de Geoff Bodine en 84, mais c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est la Hendrick. Hein. C'est pas la couleur de... Geoffroy a dit que c'était les noces de rugby, 40 ans, mais c'est pas ça non plus. Alors, si vous avez la réponse sur le chat ou même dans les commentaires... Ouais, on est preneur. Ouais, on est preneur. Mais je l'avais pas, cette couleur-là. Et... Bon, après, la 24 et la 48, c'était sympa. La 5 et la 9, beaucoup plus moche, à mon goût. Mm. Mais ouais, voilà. On a scotché Geoffroy sur une question quand même. Pardon ? On a scotché Geoffroy sur une question. Une question NASCAR où t'as pas la réponse. C'est vrai. Faisons une croix sur le calendrier, c'est pas souvent. Hein. J'ai aucun problème avec ça. Ah oui, non, mais c'est pas souvent. Ouais. J'ai la réponse fournie par la Hendrick en fait. C'est que le rubis, la couleur du rubis, c'est la couleur qui est associée au 40e anniversaire en général, dans la vie. Voilà. D'accord. Donc, ah, peut-être aux États-Unis, parce qu'en France, enfin en Europe, ça ne me dit rien. Non, ouais. Après, c'est la couleur. Donc, c'est pas l'objet, hein. C'est pas les noces de rubis. Mais c'est vraiment cette couleur rubis, en fait, elle a associé au 40e anniversaire. Non, parce qu'en plus, noces de rubis, on avait regardé, c'est 35, je crois. Ouais, c'est vrai, ça ne correspondait pas à 40 chez nous. Ouais. Mais... C'est pas l'émeraude. Enfin, bref, c'est pas le débat. Oui, c'est ça, parce qu'on avait parlé de Sonic. Donc, c'est ça. on s'égare. Donc la Hendrick qui gagne, la Hendrick qui est encore bien partie cette saison. Enfin, on est clairement sur un duel Hendrick-Gibbs depuis le début de l'année. Hein. On est à quoi? On est à 5 victoires pour la Hendrick. On doit être à 4 victoires pour la Gibbs. Donc ça se passe plutôt bien. Et rendez-vous en fait au Texas du côté de. Enfin, au Texas la semaine prochaine sur un mile et demi. C'est 3 pour la Gibbs, Geoffroy. Pour voir un petit peu. C'est que 3 pour la Gibbs? Bah, j'ai une Belle de Hamlin. Ah oui. Et... Parce que Belle, c'est la Duel qui gagne. Ah oui, non, c'est vrai que Truex. Ça et après, la seule anomalie, c'est Suarez. Ouais, entre guillemets. Ouais, exact. Donc, ouais, c'est 5 et 3. Mais bon, globalement, le rapport de force, il est pour ces deux écuries-là, clairement. À voir comment ça va évoluer à partir du Texas la semaine prochaine sur un mile et demi qu'on aime tant décrier. Donc et voilà. C'était aussi une partie de la 5 en 84, mais ça je crois que vous aviez regardé, pas exactement c'est le même. C'est pas rouge. Cette couleur là. Hein. Enfin, ou alors c'est mes dieux. Je veux dire, c'est vraiment la Hendrick. C'est la Hendrick qui explique ça. Donc c'est sur leur communiqué de presse. Donc voilà. Après, Oui, mais je te crois. Je te crois. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le triplé de la Hendrick? Je pense que les deux derrière, là, Kyle et Chase, en fait, ils n'ont pas vraiment été le chercher. Tu vois. Il y avait des ordres. Bah, pas des ordres, mais je pense qu'ils se sont dit, putain, si je foire le triplé, tu vois, pour. Ouais. Je pense qu'ils ont été plutôt fair play sur ce coup-là en se disant, c'est important pour eux d'aller chercher une victoire, hein, mais tu te dis là. Enfin, ils n'auraient pas voulu être le mauvais garçon, le mauvais de l'équipe là, qui foire l'anniversaire de la Hendrick. Parce que tu imagines s'il est fou dehors et que finalement, ce n'est pas Hendrick qui gagne. Donc, je pense que ça a gâché l'arrivée. Mais pour moi, il n'y a pas eu trop de suspense dans le sens où ils n'allaient pas vraiment aller le titiller, aller le pousser pour l'écarter de la trajectoire. Enfin, sachant que pour le pousser, il fallait qu'il le rattrape. Et Elliott a essayé un tout petit peu de le pousser, je crois, sur le T2. Et puis, Mais ils étaient côte à côte. Il s'est rien passé de bien fou. Donc voilà, et de toute façon, on l'a bien vu, hein, on a vu un plan sur les spectateurs. Dans un moment, avec le restart, ils étaient tous en PLS. Quoi. Même, ils avaient même réussi à coucher l'horloge tellement... Donc, ils étaient 1500 fans, mais fans employés, ex-employés, etc. Ouais, et puis avec la photo sympathique de l'ancien coup de l'ancien pit coup de Geoff Bodine de 84. C'est toujours. Et il y avait la photo qui a circulé après. Ils ont fait une photo avec les 1500 sur la Victory Lane de Martinsville. Je mets des guillemets parce que la Victory Lane de Martinsville, c'est la piste. De toute façon, il y avait une fête, hein, donc fallait pas gâcher la fête.
Et Lugubre qui demande pourquoi Hamlin est rentré au pit. Ben, et pourquoi pas, en fait. C'est-à-dire, en fait, s'il ne le fait pas, il ne gagne pas. J'ai compris, ils ont eu pas mal de discussions avec leur crew chief pour ça, avec son crew chief. Et en fait, ce qu'il a expliqué, c'est que s'il avait su que Joey Logano avait fait autant de tours avec ses pneus, il ne serait pas rentré. Parce qu'en fait, il pensait qu'il y avait plus d'écart en fait, entre des pneus frais et des pneus usés. Et il pensait surtout que ce ne serait pas le seul à rentrer, quoi. Parce que là où il s'est un peu fait avoir, finalement, c'est que personne n'a... Il y a Eric Jones et Reddick qui suivent, hein, c'est tout. Voilà, mais en fait, il pensait qu'il y en aurait plus qui suivaient. Et dans sa stratégie, il voulait repartir quatrième ou cinquième. Oui, il voulait être le premier en pneus frais. L'idée, c'était de faire l'inverse de ce que faisait la Hendrick. Pas trop loin, dire, tu peux être premier en pneu frais si t'es 4 ou 5e, c'est jouable. Ça dépendait du nombre d'overtime. Enfin, après, c'est sûr que à partir du moment où la Hendrick a sécurisé les 3 premières places, derrière ça jouait pas. Mais pour moi, enfin, je suis pas sûr que ce soit une erreur, hein, parce que il rentre pas, il fait 4, il gagne pas plus. Oui, non, mais c'est ça. Donc, je dis, c'est pas... En fait, ils ont tenté quelque chose parce que de toute façon, il a eu raison de tenter. Voilà. Ah, avec le recul, s'il fallait le refaire, il le referait probablement pas. Mais... Non, je pense pas. Non. Ouais. De toute façon, il a déjà gagné, entre guillemets. Mais oui, il avait plus à perdre à rester en piste qu'à rentrer. C'est ça. Maintenant, c'est victoire ou rien. Donc, voilà. Il a essayé. Ça aurait marché, on aurait crié coup de génie, quoi. Mais oui. Parce que surtout qu'il y a quelques années, ça avait marché avec... Qui c'est qui avait remonté le peloton? Je sais plus. Mais il y a quelques années, il y a eu quelques overtime aussi du côté. Il y avait de l'usure. Enfin, toi, les pneus usaient plus, et donc du coup, tu avais un plus gros écart en fait entre des pneus frais et des pneus pas frais. Ouais, mais c'était du temps de la Gen 6 aussi. Ça. Mais là du coup, il n'y avait pas d'écart. Donc finalement, la remontée, elle est plus possible, quoi. Mais ils n'arrivaient pas à doubler. C'était compliqué, ouais, dans les deux cas. Ouais, mais honnêtement, avec des pneus frais, moi, je m'attendais à ce qu'Hamlin joue beaucoup plus du pare-choc. On sait qu'il est capable de le faire. Mais à la régulière, il arrive. Ouais, mais là, ça paraît vraiment trop compliqué dans la configuration actuelle. Ah, je suis pas sûr. Parce qu'il gagne même pas de place, hein, il en perd même. Oui, je crois qu'il en perd une, il termine 11 alors qu'il ressort 10. Hein. C'est ça. Mais bon, il tente pas, on critique et il gagne pas. Il tente, les gens le critiquent et il gagne pas plus, mais au moins il tente, quoi. Non, c'est clair, il a essayé de jouer quelque chose, lui. Il a eu complètement raison. Ah oui, il a totalement raison. Il a 2 victoires, comme dit Arnaud. Il a complètement raison. Il est dans la situation, quoi. Faire 4 ou 11, il s'en fout. Hein. Exactement. Allez, messieurs, ce que je vous propose, c'est de passer au petit j'aime pas. Allez Arnaud, on va commencer avec toi. Ton petit week-end Montpellier, hein, je présume. Oh bah oui, du coup, oui, j'ai bien aimé, c'était sympa, voilà. Une petite course à Montpellier, là, c'était sympa. Il a pas fait beau, mais il a pas fait froid, donc c'était bonne température, 8h du match, là, c'était bien. Content de ma performance, donc tout va bien. Bah voilà. Écoute, c'est bien. Je ne vous ferai pas croire que tu étais tranquille, tu réécouteras l'intro que Geoffroy t'a fait. Kill, c'est ça? Ouais, tu nous feras pas croire que c'était en patin. Non, c'était voilà, mais c'était j'étais bien. Donc en fait, à partir du moment où t'es bien, toi, t'as tendance à aller plus vite que prévu, donc c'était plutôt pas mal. Voilà. Mais oui, il faut se lâcher, un semi, c'est rien. C'est l'étape pour le marathon, Arnaud, on est d'accord. Ah ouais, mais le but c'était de la répétition, donc en fait j'étais censé me caler, tu vois, sur mes allures et tout. En fait, j'ai pas du tout calé les allures. Il est quand le marathon? 3 semaines? Dans un mois, ouais, première semaine de mai. Voilà. Si, ça va le faire. Et du coup, est-ce qu'un j'aime pas? Ça va le faire. Bah, le j'aime pas, c'est que là maintenant il faut que je commence à me faire des bornes là, et puis ça fait des grosses sorties là. Parce que là, sur les 4 semaines qui arrivent, c'est des grosses sorties, et puis comme je suis un peu chargé, oui, il faut du temps. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, quand c'est des sorties d'au moins 2 heures à chaque fois, bah faut se lever très tôt, quoi. Et puis là, comme on a changé d'heure, bah il fait nuit encore. Il fait nuit très tôt. Donc je vais encore retomber, je vais encore me refaire mal. Donc ça, c'est le j'aime pas. En ce moment, les journées sont un peu courtes. Ouais. C'est moche. Pourtant, ils font toutes 24 heures. Adrien. Le j'aime ce week-end,
On en reparlera dans Overtime, je pense, mais Trackhouse à domicile à Kota. Et Jordan Taylor ressort le garage 56. Oula. T'allais aimer la performance d'Alpine mais, ce week-end, mais en fait, non. Non. Ah, il a mis un t-shirt Renault exprès quoi, pour te conjurer de sort. Bah, message, c'est un message. Ça pourrait être le j'aime pas. Quand j'ai vu la qualif et les premiers tours, je me suis dit alors peut-être. Ouais. Et puis en fait, non. Pas du tout. Ouah, pas du tout. Ouais. Mais voilà. Ça finit les courses, c'est déjà ça. Ouais, ça finit, mais bon, ils sont une F2, elle est bien rouillée. Hein, ouais, bon, allez, au suivant. Le j'aime pas, du coup, Harry. Ouais, le j'aime pas, c'est Alpine Suzuka, quoi. On va dire que c'est ça, quoi. Trollé par Lance Stroll, quoi. En pleine course. Ouais. La saison va être longue. Hein. Oh, non, c'est Léas qui trollait, je pense. Ah, c'est Léas. Il était en train de doubler Léas, ouais, je pense. Elles ont plus leur vitesse de pointe qu'elles avaient avant, je crois. Enfin bon. Livion. Eh ben, allez, je commence avec mon j'aime pas. T'en as fait allusion lors de l'intro de l'émission. Bah, c'est mon petit loupé de dimanche, puisque j'avais prévenu Geoffroy en lui disant qu'il allait me remarquer à la sortie du secteur pavé, donc numéro 3, hein, l'entrée de Gruson. Donc c'était à la fin de l'épreuve du Paris-Roubaix, hein, pour ceux qui suivent pas, puisque je suis dans ce village-là, du coup j'y vais à pied avec ma femme. Donc j'avais prévu de prendre mon drapeau américain, hein. Je me dis, là, il y aura qu'un seul blaireau avec une bannière étoilée, il me verra. Donc je l'ai mis dans la poche de mon suite, et j'y suis allé en vélo, j'avais 2-3 minutes pour aller me poster là-haut. Et puis bah arrivé là-bas, et bah, le drapeau était tombé, je l'avais plus. Et pas moi, et en fait, donc je suis retourné à la maison, en prenant un raccourci, je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, en reprenant la route après sur le retour, une fois qu'ils étaient passés, une âme charitable avait reposé sur un rétro de voiture, sur la partie que j'avais pas pris au premier tour. Donc voilà. Donc du coup, il m'a pas vu. Ou de très loin, quoi. Ah, nous, il nous a posté une photo. Il a dit il est là, mais moi, j'ai pas vu. On voit un truc tout flou. Oui, c'est ça. Fallait vraiment le croire pour savoir que c'était toi, mais écoute, voilà. Ouais, bon, c'est tout. Et j'avais eu l'image, j'avais vu la vidéo en live, donc je savais exactement où il était sur la photo. Je savais que ça pouvait être que lui. Ouais, je pense qu'en vidéo, c'était mieux, quoi. Ouais. Puis j'ai essayé de lui braquer des roues à 8000 balles, mais... Ouais. C'est pas possible. Ouais. Après, hein, pardon ? Ça tombe. C'est pour tomber avec des roues comme ça, ça vaut pas le coup. Ah bah... C'est ça. Et bon, j'aime, parce qu'il y a bien un j'aime quand même. Et bah ça y est, hein, j'ai annoncé au maître chocolatier que je quittais les entrepôts. Ça y est. Ça y est, ça a une étape de plus. Ah oui. Bah bien, bien, étape, bien. Ça, bravo. C'est une bonne chose. Ah, toutes les bonnes choses ont une fin. Les mauvaises aussi, rassure-toi. On va faire maintenant, comment on va faire pour avoir notre chocolat de tirer à l'acheter au magasin d'usine où il y a tes magasins de gaufres. Ouais, mais il n'y aura plus cette fibre, tu vois, en disant « Ah, c'est les chocolats de Lyon, tu vois. » C'est ça. Du coup, on prendra les Kinder. De toute façon, tu préfères mon concurrent de chez Ferrero, donc... On va faire les Kinder, de toute façon. C'est ça. Ils ont sorti des nouveaux gâteaux, t'as pas vu? Non. Après, je vous envoie ça, ils ont sorti des nouveaux gâteaux. C'est du c'est oh là là, ouais, ça... On dirait un gosse. Un nouveau gâteau, un nouveau Kinder. Ah non, carrément. Ah, regarde mon Kinder, gemme, regarde mon Kinder. Ça aurait dû être mon gemme, je te jure, franchement. À ce point-là? Ouais, c'est sorti aujourd'hui, ça sort là, ils viennent d'annoncer ça. Oh, c'est triste. Mais il a un chien qui s'appelle Sneakers, quoi, chercher l'erreur. Ouais, mais c'était la nuit S. C'est pour quand la gaufre Kinder, du coup? Bah en fait, on peut pas parce que c'est une marque Kinder, donc tu vois, c'est un peu compliqué. D'accord. Ah, ouais. Mais c'est pas grave. Et du coup, t'as testé, au fait, Arnaud, vu qu'on est dans le j'aime pas, t'as testé le Ligo, enfin, ou pas encore? Ça a coupé, j'ai pas entendu. Est-ce que t'as testé le Ligo, enfin...
Eh ben non, pas encore. Non, c'est pas vers chez nous. Donc, il faut peut-être expliquer un petit peu le League of pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent. Il faut une recherche sur Internet ou Waffle Factory. Voilà, il y a eu un gros buzz qui a été fait en fait avec une agence de com. Il y a un League of qui a été fabriqué spécialement. Mais il était à gagner, non? Ouais, tu peux le gagner. Alors, c'est ça. Je pense parce qu'il est encore en jeu. Donc vous tapez sur Internet League of, vous verrez ça. Avec une couette en chantilly et tout. Oui, des coussins en banane. Non, mais c'est une tuerie. Exactement. Allez, ouais, je suis suivant. Ouais, c'est ça. Parce que là, ça va être le sujet le plus long de l'émission. Là. C'est ça. On va passer sur le bilan de après un tiers de saison régulière. En gros, on a ça. Ah, attends, j'aime pas. Là. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Ouais, tu veux mon j'aime pas. La polémique sur le Paris-Roubaix avec les accidents et des gens qui demandent à ce que les vélos soient moins performants, alors que ces mêmes gens demandaient il y a quelques années à ce que les vélos soient plus performants. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut peut-être juste éduquer les coureurs cyclistes pour qu'ils arrêtent de faire des conneries. Parce que les mecs qui tombent, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps des mecs qui ne savent pas faire de vélo. Plus con qu'un sportif, tu vas pas lui demander de ralentir au sportif. Mais je lisais un article d'un ancien coureur pro français qui disait qu'il n'y a pas plus con qu'un cycliste en course. Ah bah voilà, c'est ça, mais qu'un sportif en général. Tu vas pas lui dire fais attention, s'il peut aller plus vite, il ira plus vite. Donc ça fait partie du jeu. On a demandé des évolutions matérielles et tout pour aller plus vite, et aujourd'hui que ça va trop vite. Mais si les mecs étaient un peu moins cons aussi, de temps en temps, ça irait mieux. Mais voilà, c'est un autre. Et le j'aime, du coup, que Lilian et Adrien aient été présents et aient fait un soutien psychologique dimanche soir pendant l'épreuve de Martinsville. Ah oui, là, je pense qu'il en fallait, là. Ouais. Tu nous donneras ta note tout à l'heure, là. C'est passé plus vite. Le meilleur moment de la course, c'est quand même quand on a débriefé de la F1. Le deuxième segment est passé vite grâce à ça, qu'on se le dise. Bon allez, le bilan après 8 courses de saison régulière, donc en gros un tiers de la saison régulière, hein, puisqu'il y a 26 courses, on a tout vu, des ovales à plaque, des ovales d'un mile et demi, des short tracks, des routiers, et c'est ce qu'on disait un petit peu dans le premier sujet, globalement il y a deux équipes qui se détachent, la Gibbs et la Hendrick. Si on prend Martinsville, tu peux dire oui, il y a la Hendrick, mais pour moi, il y a surtout William Byron, plus que la Hendrick. Oui. Ah bah alors la Gibbs, tu dis qu'il n'y a que Hamlin, quoi. Non, parce que si tu regardes sur les courses, toi, tu as Truex, Bell, même Ty Gibbs et Hamlin, ils ont été très souvent devant. Ça n'a pas forcément gagné, mais dans toutes les courses, ils ont été très présents devant. La Hendrick, elle n'a pas toujours été. Ils n'ont pas toujours tous été devant. Hein. Tu regardes le début de saison de certains, c'est laborieux. Quoi. Par contre, Byron, il est vraiment au-dessus du lot et sur toutes les pistes. C'est pour ça que je ne dis pas que la Hendrick est dans les choux. Mais pour moi, c'est plus Byron Hendrick qu'Hendrick dans ce premier cas. Peut-être quand même Larson avec aussi, dans une moindre mesure peut-être. Elliott et Bowman, je suis d'accord, c'est un ton en dessous. Ils sont souvent devant en début de course et puis après, ça. Fusion, quoi. Ouais, moi je serais peut-être même un petit peu plus large que vous. Moi je dirais qu'il y a Toyota et Hendrick. Ouais. Et les autres. Hein, parce que quand tu regardes le début de saison de Wallace, il est pas dégueu, je trouve. Ah, Booba, ouais, c'est du très très bon. Hein. Ça va pas plaire, Geoffroy. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est très très bon, mais ça paye pas au classement. Parce que quand tu regardes le classement, t'as un pilote Hendrick devant Kyle Larson avec 309 points. Derrière, t'as Truex, Hamlin, Byron, Blaney. Wallace, il est que 12. Donc, quand tu regardes juste le classement, tu te dis, le début de saison de Wallace, il est bien, mais pas ouf. Avec 3 top 5 et 3 top 10 quand même. Ouais, mais ouais. Il est derrière Bell, il est derrière Bowman, dont on dit que c'est la 18e roue du carrosse de la Hendrick. Je suis d'accord, on le voit, Wallace, il a fait une course à Martinsville qui était correcte. Mais en fait, ça paye pas en termes de points au classement. Et quand tu n'as pas de victoire, le fait d'avoir des points, c'est important. Ouais, mais il n'y a pas tant de vainqueurs que ça pour l'instant. Donc pas tant de vainqueurs, il n'y a pas de points. Enfin, il a déjà pris 93 points dans les carreaux par rapport à Larson. Ouais, mais il est 12e. Donc pour l'instant, il est dans la place, quoi. Ouais, pour l'instant.
Pour l'instant. Pour l'instant, on est d'accord. Il reste encore 2/3 de la saison régulière. Mais... Il reste 2/3 de la saison régulière. Mais regarde, quand tu regardes Wallace, Logano, on est d'accord. Il y en a un, on a dit, il fait une plutôt bonne saison, Wallace. Et il y en a un, Logano, on a dit, qu'il a quand même enchaîné pas mal de problèmes, de soucis. Ben, les deux, ils sont au classement, ils sont séparés de 2 places et de, ouais, et de 20 points. Les niveaux d'attente ne sont pas les mêmes pour un Logano et pour un Wallace. Un Wallace, déjà, enfin, les gens attendent déjà qu'il arrive à gagner de manière régulière. Logano, s'il n'est pas champion, c'est une mauvaise saison, quoi. Tu vois. Donc c'est pour ça, je pense que le niveau d'exigence n'est pas le même non plus, quoi, entre les deux. Ouais, et moi je suis assez d'accord avec ce que dit Luke Duke, qui a toujours pas de victoire pour Ford, et ça par contre, pour moi, c'est un caillou dans la chaussure. Et dans les 3 séries. Ouais, c'est un caillou dans la chaussure, quoi. Bon, après, devant qui gagne à Phoenix. Oui, parce qu'encore une fois, le champion 2022 et 2023, c'est un pilote Ford. Hein. Non, non, mais la Byron, tu vois qu'il a la voiture pour gagner à Phoenix aussi, donc... Là, ça... C'est vrai qu'il y a quand même la Clermont finale qui se dessine entre Hamlin et Byron. Hein. Les deux vont au bout, là, c'est sûr que... Puis Byron, c'est bon, tu veux dire que là, vu le nombre de points qu'il va avoir, il va passer les playoffs tranquillou, il va pouvoir se concentrer sur la suite. Donc... Non mais souviens-toi d'Harvick et Hamlin en 2020. Ouais, les mecs ils sont en finale tranquille. Ils avaient éclaté tout le monde sur la saison régulière. Au final, je crois qu'il n'y en a qu'un seul sur les deux qui est, quoi. Et encore. Alors, regarde Truex l'année dernière. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, Truex. Saison régulière, puis après. Tout le monde l'attendait en finale, il n'y a pas été. Hein. Oui. Ouais, bien sûr. Mais l'année dernière, il y avait quand même une vraie densité en termes de points de playoff. Ouais, il y a beaucoup de vainqueurs aussi. Il y avait beaucoup de vainqueurs. Il y avait une grosse densité en termes de points de play-off. 2020, Harvick et Hamlin, ils sont 10 points au-dessus de tout le monde. 10 ou 15 points. Donc, c'est pour ça aussi que je me souviens et je rappelle cet épisode-là. Donc, après, on verra bien. Mais là, aujourd'hui, après 1/3, est-ce que vous avez un Final Four? Parce que vous dites un Final Four se dessine. Bah déjà, il y a un Final 2, on l'a dit, hein, Byron Hamlin, je pense que là... Ouais, c'est qui tes deux autres? Blaney. Ouais. Et est-ce que le théorème du Logano se vérifie une année de plus? c'est pas parti pour, là. C'est pas parti pour. Non, moi, je mettrais plutôt Larson. Tu dis que Larson, de toute façon, t'es obligé... Enfin, c'est compliqué de pas le mettre. Larson, parce que tu vois qu'il est quand même tout le temps là, tous les ans, etc. Donc, je mettrais bien Larson. Mm-hmm. Moi, je vous ai perdu. Non, non, t'es là, t'inquiète. T'es bon. Lilian, t'as un Final Four? Eh bien, écoute... Pour rappel, bah hein, avant la saison, t'avais dit Byron, Logano, Hamlin, Larson. Eh bien, écoute, je suis pas si mal que ça. c'est pas trop dégueu à date. Non, par rapport à ce qu'on a vu, bah ouais, Hamlin, Byron, Blaney, ça je l'ai dit il y a 2 minutes. Mm-hmm. Et en quatrième, ah, peut-être bien un Truex hein, quand même. Ouais. Peut-être bien un Truex en quatrième. D'accord. Adrien? Ouais, Byron, Hamlin, ça me semble presque évident. Mais il peut y avoir des surprises. Après, ouais, Larson, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs pilotes, voire le meilleur pilote de la discipline, même si Byron est en forme en ce moment. Et le quatrième, je sais pas si je mets une Ford, en fait. Mais les Ford sur Ovalaplaque, c'est pas mal. Et il suffit une fois. Mais en Ford, je sais pas qui je mets, parce qu'il n'y en a pas un qui se détache. Donc, je mettrais peut-être une deuxième Toyota avec un Reddick ou un mec comme ça. D'accord. En début de saison, enfin avant la saison, j'avais dit Bell, Byron, Logano, Hamlin. Mais moi, je mettrais bien Bell en quatrième. Ce souci, c'est que ça fait deux Gibbs, deux Hendrick. Tu vois, ça fait un peu. Ça fait trop cliché, c'est ça? C'est trop cliché, mais quand tu regardes, pour moi, Bell, ça peut être vraiment un super candidat. Et oui, si oui. On est tout le temps en finale aussi. Donc, Ah, mais là, tu regardes à Martinsville, il était nulle part, par exemple. Bizarre, hein. C'est bizarre comme... Il était nulle part. Ah si, dans le mur. Bah oui, il provoque deux drapeaux jaunes, ouais. C'est vraiment une course sans, là. Il est passé à travers complet, quoi.
Il y a Lou Diou qui dit Byron, Hamlin, Larson, Bell, copieur. Ouais, mais, ouais, mais je pense que. Enfin, non, parce que lui, il met Larson et je mets Logano, mais. Ouais, moi, je serais c'est... plus Team Luke Duke, ouais. Ouais, c'est étonnant que personne ne pense à Blenny, parce que Blenny, il est discret, mais il est là sur toutes les épreuves. Hein. Ouais. Ouais, mais Blenny, ça a été un champion, on va dire, surprise, tu peux dire ce que tu veux, c'est pas le mec que les gens attendaient champion, quoi. Oui, mais tu regardes là, Ford est en difficulté d'un point de vue global, ok, mais Blenny, il fait le taf tous les dimanches. C'est vrai. Mais je suis pas sûr qu'ils soient en difficulté, c'est juste qu'ils gagnent pas. Après, ils sont pas là. Mais t'as quand même Gibbs et Hendrick qui mettent un niveau. Ils sont quand même à niveau constant. Hein, et... La nouvelle Toy, elle est au-dessus de la Ford à date. Hein. La Penske, c'est pas une grosse structure, mais bon, voilà. En NASCAR, c'est pas forcément la même si elle est championne en titre. T'as l'impression que là, la Hendrick et la Gibbs, ils ont quand même fait le tour de la voiture, tu vois, de la next-gen. Et qu'ils savent en tirer ce qu'il faut, quoi. Et puis c'est deux écuries à quatre voitures, la Penske n'est qu'à trois. Et puis le troisième, c'est Cindric, hein, merci. Hein. Avec qui il a failli, c'est avec Hamlin qu'il a failli, où c'était un peu chaud à un moment donné, il n'avait pas le dépassé là, alors qu'il avait plusieurs tours de retard. Oui, je me rappelle qu'Hamlin a bumpé assez fortement à retardataire pour passer, mais je ne sais plus si c'était Cindric. À deux, trois tours de retard et qu'il n'arrivait pas à le dépasser, quoi. Il y a Luke Duke qui dit que Bell il a perdu un écrou. Non, l'écrou il était encore sur la roue. Hein. Ah, je sais pas. Bah oui, cette histoire de roue qui s'était pseudo. Qui barrait à droite là alors qu'il tournait à gauche. Ouais. Ah ouais, Geoffroy qui dit il n'y a pas un monde où il repart, bah il est reparti. Mais oui. Ouais, je sais pas s'il a perdu son écrou. Mais non, je vois le mécano. Bon, après c'est un mécano Gibbs donc c'est peut-être pas une référence, mais je vois le mécano mettre le pistolet pour desserrer l'écrou. Ouais, mais c'est peut-être un réflexe, il était peut-être plus, on n'en sait rien en fait. Faudrait avoir les images, mais. Moi j'ai un doute, hein, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais... Pour moi, quand tu revois les images, tu ne vois pas l'écrou partir. Donc pour moi, l'écrou est sur la roue. C'est pas. Donc voilà. Donc ouais, ok. Donc on a globalement un Final Four assez commun, quoi. Assez peu de surprises. On a au moins 3 sur les 4. Ce qui est assez logique après 8 courses, on verra comment ça évolue sur le reste de la saison régulière, mais sachant qu'on a vu tous les types de pistes. Ouais, c'est ça, là on a quand même vu toutes les typologies de pistes et il n'y a pas vraiment de surprise. Ouais, donc bon, à suivre. C'est ça. Donc voilà. C'est quoi la suite? C'est les notes, la suite. C'est les notes, ouais. C'est les notes, hein. Les notes. Alors avant qu'on commence les notes dans le chat là ou même dans les commentaires, mettez-nous puis on demandera aussi aux participants en direct là. À chaud. En plus Arnaud il est pas au courant donc à chaud. Dans la course de cette semaine là, donnez-nous qui était votre favori et qui est la surprise et qui est la déception de la course. Ouf. En plus de la note. D'accord. Bon, on va déjà commencer par les notes. On va faire un tour de table par les notes. On va commencer avec Arnaud. T'as vu la course en direct ou tu l'as vu en dans les conditions du direct, en différé En replay du direct. Accéléré. Et en accéléré. Ouais. Ouais. Et ça a plus les pneus en accéléré ou... Ouais. Mais c'était pas beau. C'était pas beau. Alors sur 10, tu mets combien? Pouah, 2 ou 3, quoi. Grand max. Ouais. Alors c'est fait chier, il s'est rien passé. Ils sont pas capables de doubler. Et encore une fois, moi, j'ai pas d'idée pour les solutions. Je suis pas pilote, etc. Mais là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Enfin, franchement. Ok, donc Arnaud, entre 2 et 3. Il va falloir qu'on crée des animations un jour. On va demander ça à un spécialiste animation. S'il n'y a pas moyen de faire un truc, ça pourrait être sympa. Lilian. Comme Arnaud, 3 sur 10. 3 sur 10. C'est l'école des pannes. Adrien? Moi, je serais comme Luke Duke, 4 sur 10. Ok, 4 sur 10. Magnifique. Et toi? Et moi, l'action de Denny Hamlin, Reos Manotte. Hein. Je vais mettre 0,75. Ah ouais, d'accord. Non, mais vous voulez que on vous
passe ce qu'on a discuté pendant, pendant la course. Au bout de 50 tours, on parlait chiffon. Et encore, 50 tours, je suis généreux. On s'est fait chier toute la course. On parlait de tout, sauf de la course. Arrête, tu peux pas mettre 0 à une course non plus, toi. C'est pas... ouais. Ça reste quand même une course. Non, j'aurais mis 0,25. 0 à une course, c'est pas 2020, quoi. Arrête. Ah, c'est ça. C'est que ouais, ça roule pas, quoi. Là, il y a, il y a quand même une course, il y a un vainqueur. Tu savais pas qui allait gagner. Oui, mais tu peux pas dire que la course a été simple. Enfin, mais c'est vrai que Martinsville, t'en attends toujours. Moi, j'ai merveille, quoi. Ouais, mais je pense qu'il est là. S'il change rien, il faut qu'on arrête d'attendre des choses à Martinsville, quoi. Donc, Mais surtout que Martinsville, ça fonctionne dans les autres séries. La Truck et l'Xfinity n'étaient pas désagréables. C'est la voiture. C'est pas la même voiture. Enfin, ils roulent tous à la même vitesse. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, mais donc faut pas changer Martinsville. Pour ceux qui auraient eu des doutes. Ouais. Bah non, faut pas. Tu peux pas. De toute façon, ils enlèveront jamais Martinsville. C'est la NASCAR. Mais ils peuvent pas. Ah bah ouais. Donc il y a Gilda qui dit 3 sur 10. Ouais. Lugu a dit 4. Lugu, il va mettre 0 et Logano il a pas gagné. il est pas neutre, Lugubre. Ouais, bah écoute, on va attendre la note de Lugu. Ouais. Et puis et du coup, le favori, la surprise et la déception. Est-ce que vous avez des noms qui vous viennent en tête comme ça? Oui. Celle qui arrive ou celle qui. Celle-là, là, celle qui s'est passée. Qui s'est passée. Ah, moi, je mets toujours Byron en favori, donc là, forcément, mais c'est pas. Mais, ouais. La déception. Bah, les rookies, globalement. Je suis assez déçu des rookies, quand même. Là, en cup, ils sont pas ridicules, hein, mais je trouve que c'est ça peine à performer, tu vois. Il y en a pas un qui est vraiment. Qui est vraiment au-dessus de la mêlée, et il y en a pas un qui tire les autres vers le haut, quoi. Ou qui fait une super perfo sur une course depuis le début de la saison, on n'a pas vu un rookie dire oh putain, il peut gagner, tu vois. Donc ça, c'est un petit peu. Et l'autre truc, t'avais quoi? La déception, la surprise. La déception. Et le favori. La surprise, d'abord, bah, le triplé Hendrick. Enfin, ça reste quand même une surprise. Pour moi, ça reste une surprise. Tu triches un peu, t'as mis 3 pilotes, mais pour la dire ce en première, à froid, à zéro. Donc, Adrien, vu que t'as une hostilité, ouais. Moi, la déception, Nemechek. Ouais. Ah, t'aurais pu dire Kyle Busch, toi, qui est fan. Si. Ouais, non, j'en attendais pas grand chose de Kyle Busch. Oui, donc t'es pas déçu. Ça, c'est bien. Ouais, non. La surprise. Ouais, Elliott, parce qu'il est un peu nulle part en ce moment, mais bon, je m'en serais bien passé, en fait. Et le favori, moi, j'aurais mis Hamlin. Okay. J'aurais mis Hamlin. Lilian ? Mon favori, pour moi, c'est Hamlin, comme Adrien. La surprise, Bouba, parce qu'il a commencé aux avant-postes, mais j'étais sûr que ça allait se vautrer dans les stands ou que sur la longueur de l'épreuve, ça tiendrait pas. Et ben, ça a tenu. Et voilà. Et donc, il termine quatrième. Et ma déception, qui j'ai comme déception, je vais rejoindre un petit peu Arnaud, Zane Smith, hein, globalement. Ça perce pas, hein, Zane Smith, sur cette première saison. C'est plus compliqué que je l'aurais cru pour lui. Parce que quand tu vois les perfs que certains font en truck, là, les pigeons, ils vont monter vite. Là. Christian Eckes, notamment, ouais, qui en a déjà gagné 2 cette année. On y reviendra dans Overtime. Mmh. Mais, ouais, c'est marrant, parce qu'ils étaient à cette place-là, les Zane Smith, les Carson Osvar, l'année dernière, et on disait, ouais, c'est bon, ça va faire du bien à la Cup, il y aura un vrai appel d'air à la Spire, ouais, mais c'est très, très compliqué. Puis tu les vois pas, en fait, ouais, c'est ça. C'est... Ouais, mais quelque part, est-ce que c'est pas tant mieux, en fait? Si c'était trop facile, on dirait, ouais, non, mais en fait... c'est facile, ils arrivent, tout de suite, c'est perfo... Tu peux avoir un coup d'éclat par-ci par-là, là t'en vois pas en fait. Enfin, je reprends le cas d'Ainsmith. Tu vois rien, quoi.
Ouais, mais enfin, je suis vraiment déçu de ce qu'il nous montre à date, quoi. Ouais, mais ça veut dire que c'est pas un Jeff Gordon, c'est pas un mec qui est au-dessus du lot, quoi. C'est des pilotes comme les autres, quoi. Après, ils ont besoin d'apprendre, hein, c'est sûr. Je pense que la next-gen est pas favorable à ça, en fait. Parce que pour moi, c'est tellement lissé, les perfos, que aujourd'hui, tu n'as aucun pilote qui va mettre 5 dixièmes à un autre pilote en cup. Enfin, faut pas... voilà, il n'y a pas de différence de niveau aussi marquée. Donc, en fait, les voitures sont les unes des autres, quelle que soit l'équipe, que bah, même un très bon pilote, en fait, il ne va pas être capable de faire la différence autant qu'avant. Et je pense que sur les anciennes générations de voitures, tu avais déjà plus de disparités dans l'avance des voitures. Et du coup, bah, un jeune pilote qui arrivait à avoir une voiture bien réglée, il pouvait, je pense, beaucoup plus se montrer qu'aujourd'hui. Ouais, ça, c'est mais... l'impression que j'ai, quoi. Avant que Geoffroy il nous donne son triplé là, sur le chat, la déception pour Luke Dukes, Ty Gibbs ou Noah Gragson. C'est vrai, Gragson, ça aurait pu en faire partie aussi. Bell pour les problèmes techniques. Alors Bell, je ne sais pas s'il le met dans la déception, les favoris, ou je ne sais pas trop. Bell, déception. Enfin, dans la logique du chat, c'est la déception. Ouais. Pour Angelida, Gilland va dans le bon sens. Oui, d'accord, mais du coup, c'est quoi? C'est la surprise ou McDowell dans le mauvais sens? Ok. La surprise, Todd Gilland pour Luke Duke. Ouais, il a fini combien, Gilland? Je ne rappelle même plus. 13. Ouais, c'est vrai que de temps en temps, Guilherme, on voit son nom sortir, mais pas tout le temps. Ouais. Et Geoffroy, toi, du coup? Bah ouais, le favori, c'était Hamlin, parce que Short Track, parce que Gibbs. Donc voilà. La surprise, c'est la Stewartas qui continue de performer, enfin, au moins de faire un top 10 avec un pilote, en l'occurrence Ryan Preece. Et la déception... C'est Harrison Burton, ça fait 3 ans qu'il est en cup. Ah oui, là, ça... Je sais même pas s'il a fait un top 30, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais je grossis le trait. Mais c'est mauvais, quelle que soit la piste, c'est pas bon, quoi. Et c'est du Matt Ospensky. Ouais, c'est dur, là. Ouais. C'est... Wow. Avec lequel Blaney a gagné à l'époque, donc... Avec lequel Blaney a gagné la 99e de l'écurie. C'est dur. Enfin, je veux dire, aujourd'hui... L'horizon de Burton, c'est vrai de garage, quoi. C'est plus long terme que court terme sur la course qui vient de se dérouler, quoi. Burton, là, c'est plus sur le... Ou c'est plus sur du long terme, mais oui, après, si tu veux, sur du court terme, Bell, c'est une déception, parce que du matos Gibbs qui n'est pas à la hauteur, notamment sur un short track, c'est une déception. Je peux poser la question fétiche d'Adrien ou pas? Mais tu mets qui dans la voiture? C'est ça. Et tu mettras un pilote de la Xfinity ou de la Cup, un jeune qui monte, qui a les dents longues, qui gagne des courses et qui pourra essayer de prouver quelque chose. Dans le giron fort, dans Xfinity, t'as personne, à part Digan. Et qui fera comme les nouveaux qui sont montés cette année, qui fera probablement rien d'étincelant comme les autres. Et... Mais ce sera toujours mieux placé que Burton. Je veux dire, 33 à la régulière. 806. Ouais, si tu veux, mais c'est peut-être son nombre de tours couverts cette année, tu vois. Mais, enfin, il prend 3 tours. Il prend 3 tours. Ouais, je sais, tu hausses les épaules de dire, mais tu veux qu'on fasse pas d'autre, mais... Merde, quoi. C'est pas bon. Ouais, mais... ouais, c'est pas bon, mais... Il a pas l'outil, il est peut-être pas aidé... Rien ne te garantit que si tu mets quelqu'un d'autre, ça marchera mieux. En fait. C'est ça. Mais j'aurais pu dire celui qui est derrière lui. Hein. J'aurais pu dire Austin Dillon. Et on peut pas dire il a pas l'outil. Il a le même outil que Kyle Busch. Mais je sais pas. Burton, c'est une déception éternelle. Ou une éternelle déception. Ouais, ça veut dire que tu en attendais quelque chose en fait, parce que Dillon, on en attend rien. Donc. Burton, oui. Mais en fait, Burton, c'est une déception depuis sa dernière année en Xfinity, où il est dans la meilleure caisse du peloton, une bagnole Gibbs. Il n'en a pas touché une de la saison. Et puis Dillon, c'est quand même une voiture Childress, quoi. Oui. Ouais. Donc, bon, ça vous a plu, ce sujet ce... Ouais. Bah, dites-nous si ça vous plaît, ce genre de petit sondage, là, dans les commentaires, je sais pas, comme vous voulez. Faites-nous un retour. Bon, j'ai le dent pour mon retour, va falloir que tu bosses.
Non, pas forcément, mais là, l'objectif, c'est d'essayer de discuter un peu plus avec les, avec tout le monde. Alors, comme on essaie de se limiter... Il y a plus d'interaction. Ouais, voilà, donc... Voilà, on s'est encore limité à une demi-heure après la première demi-heure, quoi. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'Arnaud est arrivé en retard. C'est ce que j'allais dire. De fait, on a gagné une demi-heure supplémentaire. Ouais, et puis les j'aime pas sont trop longs, alors... Ah voilà, on a fait 20 minutes, c'est pour ça que je voulais couper, on m'a dit... Ah mais bon, voilà. Du coup... Allez, salut, à la prochaine, au revoir. Non, c'est pas ce que ça, mais du coup, on va se donner rendez-vous en fin de semaine pour Overtime, où on reviendra sur les pouces. Sur les courses de Truck et d'Xfinity du côté de Martinsville. On parlera également de la présentation du Texas qui arrive ce week-end. Un petit tour d'actualité. On parlera notamment du Nashville Fairgrounds. Hein. Je tease un petit peu puisqu'il y a eu quelques infos qui sont sorties pour Nashville. Et puis, on parlera un peu d'IndyCar. IndyCar avec la création d'une nouvelle écurie, ouais. D'IndyCar. On parlera de... Qu'est-ce que vous voulez parler de la MotoGP du côté d'Austin avec la Trackhouse. Donc voilà, je pense que ça fera déjà un bon petit programme. Il y aura encore des choses à dire et des gens bavards comme d'habitude. On n'a pas entendu Arnaud, je sais pas. On t'a pas entendu, ouais. Vous voulez pas parler de Denny Hamlin et Marcus Smith qui se sont pourris sur les réseaux sociaux? Si, aussi, si, ça peut. Mais bon, ouais, on en parlera parce que on en parlera. Les échanges c'était quand même énorme. Putain, c'est parti fort là. Spoilez pas le sujet, spoilez pas le sujet. Ah, mais... Ah, parce que là, on repart pour 10 minutes, sinon. viens jeudi, Arnaud, on t'attend. On va voir. Ça veut pas dire non. merci à tous ceux qui ont interagi avec nous sur le chat YouTube. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour le débrief du Texas. Et puis, bonne semaine d'ici là. À bientôt. Bye bye. Merci les gars d'être là chaque semaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.